heures. 7 heures qu'on attend dans la voiture. 7 heures dans la voiture, on est enfin sur le parking. Donc on est bien au Merguez Tuning Show. Ouais, enfin. Petit 4x4. Petit 4x4 des familles quand même. On regarde ce qui se passe. Hein. On en prend déjà plein les mirettes dans le parking. On essaie. Incroyable. Parce qu'on sait même pas si on va réussir à atteindre l'intérieur. Donc, incroyable, le parking n'en termine plus. C'est sans fin. Après tu me diras si c'est pour si on a attendu 7 heures, c'est qu'il y avait assez de voitures pour nous forcer à attendre 7 heures. Bref, l'idée c'est pas de blablater, on va aller à l'intérieur et vous montrer comment c'était. Show, c'était dans un premier temps des bouchons et dans un deuxième temps des files d'attente interminables, et le tout sous un soleil de plomb. Du coup, on est vite passé de l'autre côté sur le parking jaune, qui était en fait comme un énorme rassemblement de voitures. Et on commence par les japonaises. Eh, mais reste bien jusqu'à la fin, tu vas pas être déçu. Putain, LBK, on en a pas parlé en fait. Attends, parce que là, Et on continue un petit peu plus loin avec le coin des Allemandes, pour finir ensuite sur le multinational. Eh, mais attends, on n'a pas vu le multiplat. Et si, juste avant de partir, on est monté dans les tribunes et la bête est passée. Regarde ça. Et voilà, j'espère que ce petit tour du Merguez Tuning Show t'a bien plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit commentaire. À la prochaine!